top. Bonjour, toujours Phil Fréjus. Notre ami Pierre Feu, Boulgan, est toujours qualifié. Donc bravo à lui. Alors là, nous allons vous commenter une partie de 64e de finale. Henri Lacroix, Gino Debar, Laurent Benazet contre Alex Tonsuit de la boule new-yorkaise, Gilbert Noguera et Morad Bouyi-Yaouni. Donc première main 0-0. Jolie reprise, mais il n'a pas fait deux. Henri pense qu'il y en a deux, mais Laurent pas d'accord. Ils vont certainement tirer devant ou pointer Henri. Ils ont pris l'option du point. Bien joué. Ah, Morad n'a pas fait passer. Sur le terrain à côté, au cadre E, nous avons l'équipe Quintès-Suchot. Et Lucien. Elle a passé. Pas de problème pour Henri, rajoute à cet un terrain qui lui convient encore plus que les autres, parce qu'on peut pas dire qu'il y a des terrains qui conviennent pas à Henri, mais c'est vrai que celui-ci. Un petit peu long. Eh ben, ça fera 3 points à première main.
Le but doit être environ 8-9 mètres. 8 m50. Alec a regagné le point, bravo. Ah malheureux. Casquette, mais en fait, il a eu contre à la sienne derrière. Bien joué. Et toujours en course pour ses 64e, l'équipe italienne de Diego Rizzi, qui joue dans le cadre à côté. Un peu court mais bien réussi. C'est vrai que c'est le genre de terrain où il vaut mieux tirer un petit peu devant que derrière. Alors les équipes 341 de Guillaume Campillo et 9 de Xavier Monnier. Venez récupérer. Encore une belle reprise dans S'il vous plaît, vous allez jouer votre 64e de finale, carré d'honneur, cadre G. Campillo et Monnier, s'il vous plaît, au graphique pour retirer vos cartons de jeu. Bien tir encore de Gilbert Noguera. Ça fait passer, ça fait jouer. Alors il va essayer d'embouchonner.
Bien tiré. Ça leur permet de marquer. Donc un point pour l'équipe d'Alec. L'équipe La Croix mène 3. Très beau point d'Alec. Bien tiré. Deux possibilités pointées, mais on s'expose au carreau. Je pense qu'ils ont pris la bonne décision de tirer. Encore bien pointé. Pour l'instant, Alex est très bien réglé sur ce terrain. Elle est passée. Ah, il n'a pas fait passer. Yeah.
le nœud. C'est là. Non, c'est là. Sauter, et ben un point de plus pour l'équipe d'Alec qui n'est plus menée que 3-2. Alors, pour les joueurs qui évoluent dans le carré d'honneur, pensez bien à mettre à jour vos marqueurs de score à l'issue de chaque main. Merci d'avance. Ah, encore bien pointé. Hein. Alec, il envoie Gino au tir à toutes les mains. Bien tiré, encore un carreau de Gino. Vous venez ici après ? Bravo, super reprise. Bien tiré. Mène nul. J'en profite pour passer le bonjour à notre ami Pico. Alors, 77, notre Bullis Note. Kevin Malbec, vous êtes couvert, donc terrain 38. Malbec, terrain 38. On espère bientôt te revoir sur les terrains pour venir encourager tes poteaux. Et puis pour attaquer une grosse saison 2013 au jeu provençal. Allez, gros bisous mon pote et remets-toi bien de ton opération. Et encore un carreau de Gino, bravo. Alors vous l'avez dit ce matin, c'est les terrains pour les tireurs. Mais faut-il être droit et... Bravo. Très très grosse partie d'Alec. Hein. Il envoie Gino au tir à toutes les mains.
Et on refait encore. Ah non. Et non, le but est encore bon. Alors, partie de 64e de finale qu'on va jouer, carré d'honneur, cadre H, l'équipe 66 Bertolotti contre l'équipe 141 de Rian Kenou. Venez récupérer vos cartons de jeu, s'il vous plaît. 66 Bertolotti, 141 Kenou au graphique. Bien tiré encore. Juste sorti. Petit palais d'Henri. Ouais, commence à y avoir une belle distance là. C'est mieux. Bravo. Et mène de 3 points. Bravo. En fait, il n'y avait plus que les deux boules à Gino et la boule de l'équipe d'Alec. Comme il a fait un petit palais, Laurent, ça fait 3. La Croix mène maintenant 6 à 3. A noter aussi l'élimination de l'équipe du Portugal emmenée par Hervé Hernandez. Le boulisnot de Ladaï. Et un petit coucou à notre boulisnote Mamas qui lui continue son Tour de France de retraité. Salut à toi mon pote.
Tiens, tu la mets par terre. Bravo, bien tiré. Il fallait faire ça. Sur le terrain d'à côté, l'équipe Quintel, Lucien et Suchot mène 5 à 2. Bravo, bien joué Laurent. Gilbert Noguera au tir. Et à côté, une mène de 4 points pour l'équipe de Suchot, qui mène maintenant 9 à 2. Alors, il a été retrouvé un téléphone portable. Si éventuellement vous avez gardé le vôtre, eh bien sachez que c'est Nadine qui l'a récupéré, qui se trouve à l'espace VIP. Donc vous y allez et vous lui demandez. Bravo, bien tiré. Un carreau qui fait du bien parce que ils avaient la boule de retard. Tiré. Et toujours Henri Pointer.
il a presque fait. Cherchait à faire le devant. Ça doit faire 2 de plus. Ah, devant de boule. Sur le terrain d'à côté, l'équipe Quintet mène 11-2. À la reprise de Laurent. Bravo, bien joué. Fait une grosse partie, Alec. C'était pas bien droit la première, bien rectifié. Oh, il est malheureux. Il doit avoir mouillé du rond.
Ah, il est court. En plus, il a dû en laisser deux. Toujours deux pour l'équipe Lacroix. Bien tiré. Ah, son premier tir est malheureux, c'est sa casquette. Ça change complètement la... cette mène. Il va essayer de jouer un peu dans la sienne s'il essaye de rentrer à deux. À deux ou essayer de se mettre devant le but. Alors, je vous informe qu'il reste à peine 30 places pour le Malatesta. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien, il faut vous rendre au plus vite à la table de marque pour vous faire inscrire. Donc on est limité à 192 équipes. Eh bien, tiré. Ça démarrera demain matin à 8h30. Bravo. Et deux points de plus pour l'équipe Lacroix qui mène maintenant 10 à 2. Ah, cette casquette de Morad est très importante sur cette mène. Hein. Alors, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aurait eu derrière, mais. Une dizaine de minutes, eh bien, nous lancerons les 32e de finale qui sera la dernière partie pour ce soir. Puisque nous rattaquerons demain matin avec les 16e de finale. Ces 32e de finale donc vont se dérouler ce soir et dès que les parties sont terminées et que nous aurons libéré le carré d'honneur, nous appellerons les 16 tireurs du concours de tir de précision, trophée Pierre et Marc Stellardo. Donc il y aura 8 joueurs issus de qualificatifs qui se sont déroulés tout au long du mois de juin dans les Alpes-Maritimes et puis 8 joueurs également de classe mondiale qui ont été invités par le comité d'organisation. 16 donc jolis tireurs à partir de 20h30, 21h dans le carré d'honneur. Alors tiens, le carré d'honneur nous a libéré le jeu B, donc nous allons pouvoir lancer le premier 32e de finale couvert. L'équipe 173 de François Gerdina, Joseph Dubois et Sébastien Porcher qui jouera contre l'équipe 145 de Patrick Porzer, Stéphane Ruffo et Lionel Morticcioli. Les finalistes de l'Antivoise cette année. Gerdina face à Porzer. Premier 32e de finale couvert, cadre B. Venez récupérer vos fiches de jeu. Là, il a frappé, mais il n'a pas fait passer. Thank you.
et nous pouvons aussi vous annoncer la victoire de l'équipe Quintet. Et Bonnet aussi, victoire de l'équipe Bonnet. Notre bullish note, monsieur classement. Reprise de Laurent Bénézet. Je pense pas qu'il ait voulu le mettre très beau. Ils ont les boules d'avance, ils attendent. L'équipe de François Giardina, venez récupérer votre carton de jeu, s'il vous plaît. L'équipe bien tiré le but, mais je pense pas qu'il soit sorti. Alors, nouveau 32e de finale couvert qu'on va jouer sur le terrain 44. L'équipe 334, Eric Frances, Roger Bermond et Jean-Pierre Caramello, qui jouera contre la 181 de Sylvain Garcia, Daniel Serrano et Michael Serrano. Frances et Garcia, vos fiches de jeu également. Oh là là, quelle reprise d'Henri. Magnifique. Bien tiré, bravo. Je pense qu'il aurait bien aimé que le but sorte avec, mais bon. Un peu court, Henri, même beaucoup. Il reste debout la Gino, le point par terre, faut obligatoirement gagner. Oh non. Oh là 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 là. Alex en rigole, il aurait mis à la main, peut-être qu'il aurait mis là. 64e de finale qu'on va vous proposer sur le terrain E. C'est la formation du champion du monde et champion du monde de tir de précision, Bruno Le Boursicot, qui sera opposé à son directeur technique national, monsieur Jean-Yves Perronnet. Le Boursicot Perronnet. Allez. Je crois que Bruno il va jouer sa sélection là. Même si elle est faite, autant si ça se passe pas bien, je crois qu'on le remplacera peut-être par Alain Bidot pour le championnat du monde. Carré d'honneur, cadre E.
Et on nous annonce un 32e de finale explosif entre Bruno Le Borsico, champion du monde, alors, et le DTN, monsieur Perronnet. On vous attend au graphique pour retirer votre carton de jeu. 181, Sylvain Garcia. Et voilà, 3 points pour l'équipe Lacroix. Victoire de l'équipe Lacroix, 13 à 2. Bah, fin de cette partie. Et maintenant, nous allons attendre les premiers 32e de finale. Nous prendrons l'antenne lorsque un 32e sera lancé sur le terrain numéro D. J'y devrais pas tarder parce que maintenant qu'il est libre. A tout à l'heure.